bonsoir pour nous tous qui branchez Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans 8 hebdo. Tout de suite, nous allons démarrer avec information pour nous faire connaître l'autorité nationale régulation secteur énergie ANAS, ensemble avec Cellule Énergie dans le ministère Travaux publics, Transport et Communication, réalisé lundi 5 novembre dans un atelier sous projet micro-réseau gouvernement haïtien qui pour lancer dans plusieurs communes dans le pays. Atelier ça a été occasion pour le directeur général ANAS, Dr. Evenson Calix, présenté par film qui intéressait yo différentes étapes yo doit franchir avant yo commencer exploiter site yo choisi. L'autre dossier dans le cadre opération la police nationale menée dans rentrée site capitale la samedi 3 novembre là, yo saisi 3 motocyclettes sans plaque, yo arrêté 80 moun parmi yo Ronald Rebellus qui a contrôlé rue Saint-Paul yon quartier dans village là. Porte-parole PNH là Michel-Ange Louis Jeune fait connaître la police déterminée pour mettre en bas code tout monde qui a troublé la paix publique et puis chercher plus information sous côté bandi yo joine sam pour yo opérer. Dans sens ça, porte-parole PNH là des collaborations toute population. Sénateur Ouest Patrice Dumont encourage exécutif la prendre disposition pour bailler police nationale la moyen pour faire travailler comme ça doit. Parlementaire a invité agent PNH yo faire travailler à professionnalisme. Fok en face monde qui fait violence. Bon nek qui campait fait filmer li et puis il dit il va faire révolution des amis en main li et puis la police n'est pas capable de résoudre le problème. Premier bagaille là, fort politique sociale du gouvernement, yo existe vrai, c'est pas un bagaille comme dans la rue, vous voyez comme bail des trois mondes. Deuxièmement, fort moun, ni moi-même qui sénateur, député, sénateur, moun qui directeur général, moun qui ministre, moun qui président de la République, faut que yo ait courage. Faut que chef de la police là toujours ait courage. Faut que la police ait bon traitement, politique sociale et fermeté face à monde. Ni ça qui est cravate, qui est capable de acheter des armes n'importe qui côté, ni ça qui est cravate, qui a bloqué tout partout, qui a défié la police. La police est une institution, je dis, moi-même Patrice Dumont, moi dis, moi soutenir la police dans le travail policier la paix, yo pas voyel faire violence sur le peuple, yo mandé li pour li mettre l'ordre dans le pays parce que c'est travail li et faut qu'il y ait moyen pour ça, faut qu'il y ait un traitement pour ça. L'autre information, Premier ministre Jean-Henri Séan visité pour une deuxième fois cours supérieur des comptes à contentieux administratif. Visite ça, c'est pour discuter avec juge pour des comptes sous moyens et besoin pour continuer travail sous gestion fonds Petro-Caribéa. Premier ministre Jean-Henri Séan fait connaître gouvernement abaille tout encadrement possible à toute institution qui travaille dans le cadre fonds Petro-Caribéa sans pas influencer le travail. Gouvernement prêt pour encadrer dans toute démarche sans rentrer dans le travail à faire. De laisser la toute indépendance pour faire travail, mais que tout côté il pense qu'il y a une faiblesse, tout côté il pense qu'il y a un encadrement nécessaire que le besoin, tout côté qu'il y a une faille que le terrain nous comble, et bien le gouvernement paraît pour répondre à cela. Et je dis justement, c'est dans le cadre de ça que nous avons venu, suite à la lettre que nous avons écrite pour le supérieur des comptes et à la discussion que nous avons eu au téléphone avec le président, nous avons dit que nous avons venu pour qu'en direct et nous parler de questions en présence d'autres membres de la Cour et nous avons eu l'honneur de porter pour la Cour le livre compilation des résolutions de Petro-Caribé. Nous avons été distribué par nous dans une conférence de presse que nous avons fait. Et pour qui ça me botte surtout, c'est parce que je me rends compte qu'il y a des résolutions qui ne sont pas publiées dans le moniteur. Je me rends compte qu'il y a des accords initiaux qui ne sont pas publiés dans le moniteur. Donc, nous faisons compilation et nous complétons le dossier pour la Cour s'il n'y a pas gagné toute pièce qui était dans le dossier. Nous remettons la Cour une dizaine d'exemplaires pour que nous distribuions chaque membre, pour que nous voyons clairement combien de résolutions qui sont sous combien de comme, et puis qui sa contrat initial l'a dit. Donc, manière de dire que nous voulons mettre tout souci dans la Cour. Donc, je dis à nous deviner pour nous dégager avec eux. Et effectivement, nous parler avec le président qui parlait avec nous tous
sous besoin la cour, évidemment, gagne. Et nous prêts nous-mêmes pour nous répondre à besoin. Donc, nous voulons le jour fait sous question Petro-Caribé. Ah ben, nous marché, la main dans la main, avec toutes les institutions, avec la presse aussi, pour que nous baillons le peuple à Salamandéa, côté comme Petro-Caribé. Et nous faisons dans de bonnes conditions et dans la toute transparence. Pas jamais gagné, il y a une influence du Premier ministre Seyan sur question. Tout est dans d'elle. Nous devons même proposer une commission qui vous est faite par des institutions qui n'ont pas choisi Mounio lui-même et c'est Mounio qui va fonctionner sans interférence du gouvernement. Le gouvernement n'a pas voulu interférer dans rien. Au contraire, le gouvernement voulait que à la fin, que le dossier soit fini, que tout le monde est content du traitement que nous avons là et tout le monde est content que nous quimbons parole nous comme nous toujours fait. Donc, pas d'influence, ni ici là, ni dans CSPJ, ni au ni à aucun niveau. La seule chose, moi désire déjà, ma préponde pour nous, c'est que au niveau du gouvernement, nous-mêmes tout, nous avons task force qui travaille sur la question. Plusieurs ministres, premier ministre, nous travaillons sous dossier, nous avons déjà sorti le livre là, nous avons fini avec d'autres informations qui sont très intéressantes pour nous-mêmes la presse, pour que le jour fait sur la question et que tout le monde connaisse ce qui a passé. En dedans, ça qui est passé en dedans Petro-Caribé et ça qui a passé dans le suivi que nous avons fait. Tout le monde a exprimé la seule chose qui est bonne en proposition et commission. Tout le monde estime que le peut trop. Et tout le monde dit nous avons une structure judiciaire qui est suffisante pour permettre que nous réaliser. Donc, nous tout connaissons tout que la structure ça est faible. Mais nous-mêmes qui s'en dit. Mais si tout le monde pensait que commission, ce n'est pas une bonne idée, commission de trop, libre le budget, etc. Eh bien, nous prêts pour nous bailler la justice, tout encadrement nécessaire pour nous combler les faiblesses et que la justice est capable, en toute indépendance, de faire travailler, mais que le gouvernement a répondu à tout besoin de la justice. L'autre dossier bureau Sénat République là chita parlé mardi 6 novembre là avec représentant secrétaire général Nations Unies en Haïti Hélène Lalim. Plusieurs questions ont été abordées pendant la rencontre ça tant organisation prochaine élection yo ak dossier sécurité. Nous discuter de toute une série de questions qui ont rapport avec pays en général. Nous parler de Petro-Caribé, nous parler de renforcement institution yo, plus particulièrement la Cour supérieure des comptes, la justice, et nous parler de question chômage chronique qui gagne en tout à travers le pays et à travers tout le pays, plus particulièrement à travers l'Ouest, la nécessité de mettre des programmes qui est capable de générer des jobs, emplois en d'un pays pour permettre de nous remettre les gens, permettre que nous gens travaillent. Nous parlons tout de élections, nous parlons de budget république là, et je suis en mesure de aux primeurs. Et le président de la République m'a appelé hier soir, le président Jovenel, il m'a appelé hier soir pour me confirmer que demain, mercredi, on aura le projet de loi électorale déposé au Sénat de la République et à la Chambre des députés. Et son processus qui embranle, n'a pas suivre toute procédure qui exige en pareil cas, transmettre à la commission qui a fait réel lui-même, faire étude de loi électorale là, faire recommandation de l'Assemblée pour débat fait, pour vote pas fait, pour que avant la fin de l'année, on puisse doter le pays d'une loi électorale et embarquer définitivement sous question élection pour renouveler tiers Sénat et Chambre des députés avec bien sûr toute mairie qui gagne en d'avenir. Pour le budget de la République, le président dit moi qu'il n'y a pas avancé très sérieusement, une dernière touche là qu'il a prêté et n'a pas du tout que nous recevoir une lettre de ministre décembre qui te dit nous, si nous qu'on recevoir aide et sous toute forme, l'argent, etc., en termes d'appui au Parlement et autres, etc., dans institutions quelconques,
que ce soit une institution nationale ou internationale, eh bien pour nous informer de comme ça que nous pouvons recevoir ou bien s'il nous recevoir. Et comme nous ne pouvons pas recevoir nous-mêmes, nous avons purement et simplement nous faire la réponse déjà pour nous dire que nous ne pouvons pas recevoir comme de aucune instance internationale et que nous contentons uniquement du budget république là, que tout haïtien capable de en dernier et qu'on est qui s'habille. Voilà. Ministère Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural et représentant plusieurs organisations dans le secteur agricole là, signé mardi 6 novembre, un accord pour financer 20 projets dans le département Sud PIA. Accord ça rentré dans le cadre d'un plan national investissement agricole qui visait relancer la production nationale là à travers tout le pays. Dans le cadre de caravane changement, ministère travaux publics, transport et communication déjà commencé à construire caniveau et puis fait préparation pour mettre asphalte dans la zone canassique à Côte-Plage 26 dans la commune Cafou. L'autre information, dans le cadre de visite dans différentes institutions qui concernent dans le dossier Petro-Caribéa, Premier ministre Jean-Ricéan Chita parlé jeudi 8 novembre à Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans le local li sous route Fréa. Chef gouvernement fait connaître discussion au pas Chita seulement sous dossier Petro-Caribéa, il a été abordé l'autre sujet qui a avoir avec renforcement système judiciaire. On a un compte que je fais avec c'est dans le cadre global des questions relatives aux besoins de renforcement de notre justice. Toujours dit, il y a une séparation des pouvoirs que réclame la démocratie. Mais la meilleure séparation des pouvoirs, c'est l'harmonie des pouvoirs sans ingérence dans les pouvoirs, sans empiètement dans les pays, dans des structures instructives pour tout le monde. Côté que nous posons un petit problème, il y a un peu de monde qui croit que c'est seulement le Pédocaribé. Évidemment, il y a le Pédocaribé. Il n'y a pas qu'à faire. Il y a une crise pour la tête là, pour que ce soit le Pédocaribé va poser. Mais il y a beaucoup plus que ça. Dortoise Family. Nous avons un budget qui est pour sortir et dans le budget, nous parlons en pile de composants de budget. Nous parlons de l'apaisement. Nous parlons de création d'emplois, nous parlons de relance de l'agriculture, relance de la production nationale, et nous ne pouvons pas parler de l'apaisement du pays sans que nous ne parler de la justice. C'est un premier vecteur de l'apaisement. Nous venons justement pour poser problème et nous garder le budget, même, côté budget de la justice, là, pas refléter ça nous-mêmes nous voulons faire de la justice, pas refléter ça la justice, nous voyons nos pays, nous connaissons qui fragile comme ça. Nos pays qui ont des grands piles de corruption, grands piles de contrebande, donc il n'est pas normal que le budget de la justice soit déjà mis. Donc nous posons un pile de problèmes. Évidemment, nous arrivons à parler de questions pétro-caribées. Nous avons écouté le livre de la compilation des résolutions au CSPJ. Mais ça, me voulait tout comprendre, c'est que le CSPJ est lui qui croit faire la justice. Donc s'il y a des juges qui veulent bien pour traiter la question de l'arrivée, commissaire gouvernement, mais c'est normal que la question arrive et nous débattons un peu de questions sans entrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Mais nous étions seulement imbus que nous liions nous toutes les faiblesses de notre justice que nous connaissons à tous les niveaux. Et bien, nous parler de lui. Mais nous parlons surtout de renforcement des possibilités, des besoins de la justice. Nous dire à tous les niveaux, nous parler que même le logement, où, là où se trouve le tribunal, là où se trouve le palais de justice que nous avons amené, avec maintenant les colonnes et les lions, nous avons amené ça. Là, cet espace impose le respect. Eh bien, nous ne parlons pas de plus bagage. Est-ce que c'est côté ministre économie et financement Ronald Décembre démenti information qui t'a fait quoi l'état annoncé l'état haïtien a monté prix gaz là ministre Décembre qui t'a porté précision sous grand orientation budget 2018-2019 là fait qu'on est pas gain aucun monde qui cap prouvé il t'a fait une déclaration sous monté prix produits pétroliers en Haïti. Il n'a jamais été question de ça.
et m'bral dit ça m'te dit. Moi te dit en tout premier lieu que et c'est ça m'te souhaité. M'te souhaité que pour m'ta pas le tenu yo, il était spécifiquement porté sous budget de la République là. Budget 2018-2019 là. C'était d'abord un service de travail qui était organisé et qui pouvait permettre que tout le monde appréhendait de ça qui est dans le budget. D'ailleurs, c'était les grandes orientations du budget que je t'ai présenté. Je profité pour me présenter tout cadre macroéconomique. Je profité tout pour me présenter les indicateurs macroéconomiques. Pour me dire que nous avons une situation de fragilité, notre situation de précarité en matière de finances publiques. Et ça me dit. On te dit tout que nous enregistrons un déficit budgétaire que nous n'avons jamais enregistré en pays. C'est ça me dit. Nous avons révisé dans les données de Bayo, nous dit que nous avons révisé à la baisse les ressources qui pourraient financer le budget 18-19 là, parce que dans le budget que tu as déposé avant juin, tu as 20 milliards de gouttes de recettes pétrolières qui pas capable de percevoir. Ça veut dire que c'est zéro taxe en termes de recettes pétrolières. Ça veut dire que pas de perception qui t'a fait sur cette pétrolière. 20 millions de gouttes, ça, moi, j'ai bien expliqué, je dit que dans le budget qui prêt à déposer là, il y a un gap de 20 milliards de gouttes. Mais moi, j'ai chita avec l'administration fiscale pour que nous diminuions le gap là de 5 milliards. De sorte que le gap là passé de 20 à 15 milliards dans le budget. On a dit tout que GAPSA est reparti entre les différents institutions. Dans l'État. Budget, son budget à la baisse, il est venu. Budget pas capable de gagner même enveloppe qu'il était gagné avant, en termes de puisque les recettes ont diminué, à cause du fait que les recettes pétrolières n'ont pas capable de faire, eh bien, recette là diminuer dépenses qui viennent diminuer tout. Il m'était dit que dépenses qui étaient diminuées, c'était dépenses qui étaient portées, qui étaient concernées achat de biens et de services. Et c'est toute administration, tout organisme qui en dans une centrale là qui a supporté ben ça. L'autre point d'avancer, moi t'ai dit que l'État a subventionné gaz là. Et c'est là qui point névralgique là. Moi dis l'État a subventionné gaz. Mais subvention n'est pas à joindre masse peuple. Subvention sont subventions qu'à les joindre un petit point monde. C'est yo qui bénéficier de subvention gaz là. D'ailleurs mais yo dit que côté m'te dit on fois que eh ben gaz va augmenter de temps à temps. Côté m'te dit gaz va augmenter de tel montant tel le. Ma chambre dit bah comme ça. Poser une problématique, mettez problématique là à la sagacité, à la réflexion de tout le monde dans la société là, pour comprendre. L'autre dossier, ministre Affaires sociales et travail là, Marie-Élise Brisson-Gelin, accompagnée directeur général Fonds Assistance économique et sociale là, Charles Châtelier, directeur caisse assistance sociale là, Woodley Simon, pour toute précision sur mise en place différents programmes sociaux ministère a fait pour nouvelle année fiscale là. Ministre Affaires sociales là, Marie-Élise Brisson-Gelin fait qu'on est gain environ 47 sur 71 restaurants communautaires qui déjà a fonctionné dans la région métropolitaine. D'après ministre, le gouvernement a travaillé pour renforcer l'action directe programme social dans le pays pour toucher plus de monde.
Toujours même dossier ça, directeur général, Fonds assistance économique et sociale, la Charles Châtelier, qui t'a porté précision sur le programme Ti Maman Chéri a fait qu'on est, il y a environ 57 000 mamans qui inscrit dans le programme ça. Objectif programme ça, c'est comptabiliser 120 000 bénéficiaires. Jean-président Jovenel Moïse Mandel, directeur caisse assistance sociale, la Woodley Simon Soubopal, annoncé au pral, mettez sous pied programme métier MC Avenim qui visait et des jeunes dans le domaine formation. Programme ça pral dérapé dans le jour qui vini là yo ak environ 500 jeunes. Donner ti maman chéri yo, c'est des données qui dynamique, yo pas statique. Yo appelé pour yo évoluer au jour le jour. Les mises en te parlé, a mises en te gen données dans mel qui te dit, li te gen tant chiffre. Journée jodi a, chiffre yo évolué parce que l'op parle de paiement, nous gen brigade qui sous place, c'est chaque jour. Brigade yo aller pour brigade payer, pour brigade distribuer coupon pour payer. Mais n'a privé non situation côté que depuis grand maman qui touché nous même dans FAES, nous gen moyen pour nous voir que maman touché parce que nous en live avec compagnie qui fait qui paye maman pour nous. Nous en live avec elle. Jodi a hier nous t'a 57 000, jodi a nous ka passe à 60 61 000 jusqu'à ce que au 30 novembre dernier jour côté que n'a fin distribuer coupon et pour nous fin payer d'ici 3 4 décembre toute maman qui pas recevoir comme nous te mette pour yo n'a pas censé n'a dit maman ça yo pas là encore yo pas dans programme là nous va remplacer par d'autres mamans que nous va faire recensement dans même l'école que nous t'aller nous pas joindre maman nous regarder si mon dans l'école n'a fait recensement dans même l'école ça pour nous compléter base de données à travers les restaurants communautaires nous va le quantité de jeunes dans chaque zone yo qui gagne pour apprendre soit dépannage en chez téléphone jeunes apprennent à poser un bloc, jeunes apprennent à poser céramique, par approche, par compétence, donc 90% pratique, 10% théorie, pour rapidement pour jeunes ça, au lieu que là, le camper devant boîte l'État pour demander 500, pour demander 1000 gouttes, mais jeunes ça rapidement capable, gain énergie, outillé, assez pour qu'ils capable faire 500 gouttes ça, pour capable besoin de 100 000 besoin de qui peut être la formation ça et qui est la formation? La pot de formation, bayo, la caillou. Donc c'est aux alentours, dans la zone. Côté que gain restaurant communauté on a bail chaque jeune ça on place chaud par jour donc il a bénéficié place chaud et puis ensuite n'a tout fait formateur à venir joindre capable ba formation la caillou. MAV à l'écoute, c'est un centre d'information responsable d'un ministère haïtien qui vit dans un pays étranger, inauguré jeudi 8 novembre dans le local ministère. Centre d'information ça a plusieurs lignes téléphoniques et une ligne électronique qui pral permettre ministère recevoir doléances diaspora haïtien yo et puis satisfaire besoin. L'autre dossier, commission intérieure, collectivité territoriale, chambre députée a rencontré jeudi 8 novembre avec ministre intérieur Jean-Marie Renaldo Brunet, avec directeur général ministère Fednel Monchéri et puis directeur service immigration et émigration ancien Culi Joseph. Parole sous affaire vente visa dans ministère intérieur, surveillance sous frontière Haïti avec Saint-Domingue dans cadre contrebande, tenamitan discussion yo. Commission a fait diverses recommandations avec ministre intérieur pour corriger toute bagaille qui a mal marché. Toujours même dossier ça, ministre intérieur collectivité territoriale, Jean-Marie Renaldo Brunet dit qu'il va mettre en application ensemble recommandation commission intérieure fait yo. Ministre Jean-Marie Renaldo Brunet dit ministère a déjà premier administrative contre coordonnateur frontière qui gagne mauvais accusation sous doli dans affaire contrebande. Pour finir, Premier ministre Jean Risséan visité vendredi 9 novembre la douane Malpass-la. Visite ça inscrit dans le cadre engagement chef gouvernement et prend à travers déclaration politique générale pour lutter contre contrebande à corruption.